Allez, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonjour, je ne sais pas où vous êtes, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, je vais dire bonjour aux personnes. Yossi est avec nous, Vouslat est là, Fiona Adams est là, Lisbeth est avec nous, Victoria Possé, coucou, Vercingétorix est là, Victoria Jacques est là, Fiona Adams, bonjour, Luciana est là, Sundar est avec nous, Bickert aussi, Cosmina Bellou, Ritem est là aussi, Hilary est là, mon Dieu, tout le monde est là, tout le monde est là, Irina, bonjour, bonsoir, Widad est avec nous, il y a beaucoup de gens. Bah écoutez, ça fait très 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 plaisir que vous soyez là, je vous dis coucou à tous et puis nous commençons. Donc, hop, j'appuie sur le bouton, ça y est, souvenez-vous, cette semaine, c'est comme d'habitude, de lundi à samedi, là, c'est niveau avancé, donc c'est uniquement en français. J'espère que c'est convenable pour vous. En tout cas, si vous voulez que ce soit en anglais, ce sera demain, niveau débutant, et après-demain, niveau intermédiaire. Voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Alors, Mélissa Madrid nous rejoint, Ice Cubes est là aussi, Louisa est là, Yasmine, Maria Bethania, tout le monde est là, c'est formidable, ça fait très très plaisir, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, c'est mon petit plaisir personnel, vous le savez probablement, et oui, Luciana dit au minimum 59 likes, ce serait le minimum. Yesero est là aussi, bonjour Yesero, l'homme qui est sage et qui va sûrement nous impressionné avec ces phrases. Allez, on attaque. Souvenez-vous, avant de commencer, pour que le cours se déroule d'une façon simple, efficace et beaucoup plus agréable pour vous, s'il vous plaît, ouvrez dans un onglet un petit dictionnaire qui vous permettra éventuellement de chercher, de répertorier les nouveaux mots que nous verrons ensemble peut-être. Nous avons listé pour le moment eh bien, les dictionnaires que vous pouvez voir, wordreference.com, deeple.com, collinsdictionary.com, larousse.fr ou alors Google Translate. Vous choisissez, si vous avez d'autres propositions, mettez-les dans le chat et je vais les insérer pour le prochain cours. Et puis ben voilà, voilà, voilà. Maintenant nous pouvons commencer avec la question du jour. Et la question du jour, si vous pouviez faire ce que vous voulez aujourd'hui, que feriez-vous? Si vous pouviez faire ce que vous voulez aujourd'hui, que feriez-vous? Vous avez une petite minute, s'il vous plaît. Émilie nous rejoint. Iris est là aussi. Désiré est là. Super. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et répondez à ma question, s'il vous plaît. Si vous pouviez faire ce que vous voulez aujourd'hui, que feriez-vous? Et c'est Olga Ruiz qui est la première et qui nous dit « Je voudrais aller en vacances !» Eh oui, c'est vrai. Luciana Moribé, je voudrais me reposer chez moi. Souvenez-vous, verbe pronominal. Je voudrais me reposer chez moi. Sandy, bonsoir Sandy. Répondez à la question, s'il vous plaît, Sandy. Yossi, je ferai
un voyage court. Faites attention, Yossi, voyage c'est masculin. Dans le nord du pays. Très bien. Iris, je vais partir en vacances. Attention Iris, partir infinitif, deuxième verbe. Hein. Hilary Howell, si je pouvais faire ce que je veux aujourd'hui, je ferais ou je rendrais visite à mes filles. Mettez mes si c'est pluriel. Hein, Hilary, donc soit c'est pluriel mes filles, avec le S à fille, ou alors c'est singulier ma fille, et dans ce cas-là, pas de S à fille. Claudia, j'adore les cours, merci. Je vous en prie, Claudia, répondez à la question. Ritem, je ferai de la randonnée dans les montagnes. Ah ouais, ça c'est chouette, la randonnée. Je suis d'accord avec vous, avec mes amis. Émilie, je voudrais aller à la PA. Émilie, qu'est-ce que c'est la PA? Je ne sais pas. Vin, monsieur... Oui, bien sûr, oui. J'ai mon verre de vin rouge avec modération, Victoria. Victoria Jacques, avec modération. Hein. Mais tout de même. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait? Victoria Jacques, je dormirai. Je suis tellement fatiguée. Pourquoi vous êtes fatiguée, Victoria Jacques? Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Fatiguée avec un E. La marque du féminin, s'il vous plaît. Yesero, si je pouvais faire ce que je voudrais aujourd'hui, j'irais à la plage en Martinique. Ah ouais. Ça, c'est vrai que ça pourrait être sympathique. Je pourrais aller avec vous, Yesero, avec grand plaisir. Fiona, si je pouvais voyager, j'irais au Sri Lanka voir ma mère. Et ça, c'est important d'aller voir la famille. Bombville Lover, je mangerais beaucoup de gâteaux et je regarderais un film. Ça, c'est sympathique. Mais quel gâteau, Bombville Lover? Quel gâteau, c'est ça la question. Émilie, c'était la plage. D'accord, j'ai compris maintenant. Émilie voudrait aller à la plage. Et c'est normal, Émilie. La plage, c'est un endroit assez sympathique. Yesero veut y aller aussi. Béatrice Tan, si je pouvais faire ça, j'irais... je lirai un petit livre en français, très bien. Sunita, je voudrais faire de la cuisine, d'accord. Bickert, je pourrais seulement faire de l'exercice ou d'exercice physique, mais je suis occupé toute la journée comme d'habitude, les repas, le nettoyage, etc. Bickert, nous avons notre cours, relaxez-vous, vous ne pensez pas au repas, vous ne pensez pas au ménage, on oublie tout ça, d'accord? Maintenant, c'est votre moment à vous, relaxez-vous. Cloudy Sky, je voudrais aller dans mon pays pour voir mes parents. Oui, je comprends tout à fait. Cosmina Bellou, alors, oups, je vous ai perdu, Cosmina, attendez. Oui, je suis quelqu'un de chanceuse. Je fais tous les jours qui... Ah, je fais tous les jours des choses qui me font plaisir, soit dans mon travail, soit dans mon temps libre. D'accord? Vous avez de la chance. Effectivement, vous êtes très très chanceuse. Sandy, je voudrais faire un gâteau. Un gâteau à quoi, Sandy? Sundar, je voudrais rencontrer mes amis. Oui. Lisbeth, si je pouvais faire ce que je veux aujourd'hui, je sortirais déjeuner avec toute ma famille. Eh oui, ça c'est toujours sympathique, les repas en famille. Chircha, je mangerai beaucoup de nouilles. D'accord, mais beaucoup, beaucoup. Des quantités incroyables peut-être. Monique Anache, je voudrais rendre visite à mes amis. Très bien. Yasmine, je voudrais aller courir. Vous voulez dire courir comme ça? Ben, Yasmine, c'est pas possible de dans votre pays d'avoir un petit peu de temps pour aller à l'extérieur pour courir? D'accord, bah écoutez, mais j'espère qu'il faut, il faut courir, c'est bien. Quand on court, ça change les idées. Vercingétorix, je deviendrai un marathonien professionnel. Félicitations. Vouslat, je voudrais faire un voyage autour du monde. Oboura, je veux voyager dans le monde entier. Eh oui, très bien. Victoria Jacques, oui. Non mais attendez. Victoria Jacques, ça dépend de l'heure de la journée.
Il y a des règles dans la consommation du vin rouge. Écoute, Vanish, bonjour monsieur, je voudrais être en vacances. Eh oui, Mélissa Madrid, je parlerai dans 20 langues différentes. Ça fait beaucoup. Sapna qui nous dit, Sapna, je m'offre un grand cadeau de voyage. Oui, Victoria Possé, si je pouvais faire ce que je veux aujourd'hui, je serais à Paris. 3 fois, j'ai retardé le voyage. Oui, attendez un petit peu, Victoria. Victoria Possé, attendez un tout petit peu. La courbe pour la France est incroyable. Avec le confinement, clairement, ça fonctionne. C'est descendu très, très radicalement. Mais faites vraiment, vraiment attention. Peut-être pas encore maintenant pour Paris, mais bientôt. Allez, encore une fois, le mot du jour, vous savez que ça fait partie des choses que j'aime bien vous demander. Quel mot pourrait, et juste un mot s'il vous plaît, résumer votre journée? Quel mot pourrait résumer votre journée? Vous avez une petite minute s'il vous plaît. Alors, Cosmina Bellou, qui est une championne du dictionnaire. Toujours des mots très intéressants. À la crite. Très bien. Roman qui dit, où est Vincent? Est-ce que quelqu'un sait? Où est-il? C'est une bonne question parce que Vincent bouge pas mal, même quand il y a le virus. Vouslat habituel. Très bien. Fiona Adams, molle. Ça, c'est intéressant. Bickert, la santé. Sapna, entretien. Très bien. Hillary qui nous dit, mélancolique. Alors, Hillary, mélancolique, ça c'est intéressant. On a discuté de mélancolique avant. Positif ou négatif, ça dépend, je ne sais pas. Mélancolique, ça peut être les deux. Hein. Alors, M. Chichi, magnifique. Waouh! Alors là, effectivement, c'est incroyable. Bombville Lover, bonne. Caroline, Brésil, très bien. Victoria Jacques, ah, d'accord, qui répond à Yossi. Béatrice Tan, courte. C'est vrai, elle était courte, mais pourquoi? C'est bizarre cette notion. Certaines journées sont très courtes et d'autres sont très longues. Ça, c'est intéressant. Chichra, manger. Ok, c'est clair. Vercingétorix, loup-garou. Ça n'existe pas, Vercingétorix. Soyons honnêtes. Ça n'existe pas, les loups-garous. En tout cas, j'espère, je croise les doigts. Lisbeth, schizophrène. Ok, ça fait peur. Ice Cubes, franglais, très bien. Vous avez communiqué avec vos clients peut-être. Sunita, adoré. Claudia, amour. Victoria Jacques, somnolente. Mais qu'est-ce qui se passe avec le sommeil? Moi, j'ai eu une période d'insomnie il y a quelques semaines. C'était terrible. Difficile de trouver le sommeil. Il y a des périodes comme ça. Sundar, amour. Victoria Possé, soleil. Oh, Victoria Possé, elle est à Madrid. Et Victoria, elle a de la chance parce qu'il y a du soleil en ce moment. Olga Ruiz, magnifique. Yasmine, relaxant. Et ça, c'est bien aussi. Ekusvanisht, tranquille. Ça, c'est formidable. An alien in France. Dépressive. Qu'est-ce qui se passe en France? Est-ce que c'est trop difficile? Il ne faut pas être dépressif. Il faut trouver toujours un côté positif. Yossi, réparer l'imprimante. Et ça, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Deschênes, apprendre. Cloudy Sky, la
pêche, ça c'est pas mal. Cheryline Tableur, oh la spécialiste d'Excel probablement. Rhythm Music, Zeynep, bonjour. Bonjour Zeynep. Widad Coloriage, Yessero Réfléchissant, ça c'est pas mal Yessero. Iris Silencieuse peut-être, Mercurial, pareil qu'hier. Très bien. Et finalement, Monica satisfaisante. Ice Cubes, oui. Et il parle comme une machine maintenant. J'ai mal à la tête. Bon. Ice Cubes, vous connaissez la technique. La seule solution, ça n'est pas l'aspirine. C'est le champagne. Et ça, vous le savez. Allez, le dessin du jour, le dessin du jour, regardez, regardez ça. Eh oui, c'est l'actualité. Alors, personnellement, je ne suis pas un grand fan de football, mais c'est quand même l'actualité du moment. S'il vous plaît, regardez le dessin, écrivez-moi une petite phrase pour décrire ou pour commenter ce dessin. Allez-y. Pas de problème, Roman. Je suis ici, je suis là. C'est parce qu'il y avait les dictées qui continuaient. Il y avait les dictées, j'ai dû arrêter le stream, etc. C'était un petit peu complexe techniquement, comme d'habitude. Alors, Rhythm qui nous dit « Les jeunes portent le jersey de l'Argentine en jouant au foot ». Kirill qui nous dit « C'est très triste ». Bickert, il joue pour gagner. Nelson, bonjour, bonsoir Nelson, participez au cours, s'il vous plaît. N'oubliez pas Nelson de cliquer comme d'habitude sur « Like ». Sunita qui nous dit « Il y a deux personnes sportives ». Yasmine, je ne comprends pas le football. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a toujours des sports qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est comme ça, et ça n'est pas grave du tout, du tout. La tolérance est la chose la plus importante. Donc, est-ce que les autres n'ont rien à dire? Ekouvanich, les jeunes sont tristes parce que le meilleur joueur de football est mort. Mercurial, il est allé rendre la main de Dieu. Yessero, l'hommage à Diego, un des meilleurs footballeurs dans le monde. Hillary, c'est la vie, c'est comme ça avec Hillary. Yossi, il joue au mini-football et il rêve d'être comme Maradona. Iris, oh là là, où est-ce qu'il se passe? Diego est mort, ça veut dire quoi? Claudia qui nous dit « La vie est très... » Un mystère avec Claudia. Avec Claudia, c'est un mystère. Victoria Possé, « J'aime le foot, mais ça m'a rendu triste comme... » Toutes les morts, effectivement. Fiona, donc le baby-foot italien, d'accord? Widad, deux hommes jouent au foot à la maison à cause du confinement, peut-être, effectivement. Bombville Lover, la mort de Diego a frappé beaucoup de gens qui aiment le foot. Vercingétorix, une légende est décédée. Il avait du talent, mais aussi ses démons. Il me manquera depuis que j'ai grandi en le regardant comme jouer comme personne. Ben c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas un spécialiste en foot, mais... apparemment, c'était quand même un joueur exceptionnel. Lisbeth, un grand joueur, est parti. Vuslat, il joue au football et un des deux est triste parce que Diego
Armando Maradona est mort. Cloudy Sky, il joue pour gagner de l'argent, d'accord. Cosmina Bellou, moi, je n'ai pas la patience de suivre un match de foot, mais c'est évident que Diego Maradona a été un génie du football. Je partage un petit peu votre opinion, c'est-à-dire... Il n'y a pas beaucoup de choses. Je m'endors très rapidement si on me montre un match de foot. Je m'endors. Monique Hanache, deux hommes, un avec les jambes comme des bâtons. Oui, c'est vrai, Monica. Vous avez une très bonne analyse. Deschem, il y a des personnes qui jouent. Cherylyn, quelqu'un leur a fait une farce en plaçant un cercueil sur l'une des figurines. Cherylyn a bien remarqué ce petit détail central, effectivement. Alors, Mélissa Madrid, 2020, il faut pas exagérer. Roman Diego était un grand joueur de football qui est décédé la semaine dernière. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très très gentil. Et comme mon ami le lapin vous le rappelle, n'oubliez surtout pas de cliquer sur le bouton like. Apparemment, il y a 84 personnes, je n'ai pas 84 likes et je suis un homme triste. Vous savez que j'espère secrètement atteindre les 100 likes. On a réussi à avoir des 100 likes il y a quelques jours, quelques semaines. S'il vous plaît, cliquez sur like. Merci beaucoup. Allez, c'est le verbe du jour. Le verbe du jour, c'est le moment de la conjugaison. Vous le savez, c'est nécessaire. On doit passer par là. Et là, je me suis dit que ce serait intéressant parce que là, c'est un niveau qui est un niveau avancé. Et donc, normalement, à un niveau avancé, eh bien, on pourrait commencer à s'intéresser quand même au troisième groupe. Et au troisième groupe avec des verbes qui sont un petit peu olé olé, comme le verbe atteindre. Le verbe atteindre, donc, ce sera notre verbe. Le verbe du jour que nous allons conjuguer, dans ces trois modes, avec tous ces temps-là, d'accord ? Ce sont les temps que, normalement, vous devriez maîtriser. Ouria, non, le live n'est pas fini. Nous avons encore 48 minutes, Ouria. Installez-vous, relaxez-vous. Nous sommes là pour vous. Tout le monde est là. Ouria, participez. Donc, tous ces temps, vous devriez les maîtriser à votre niveau, c'est-à-dire à un niveau avancé. Si vous voulez passer une certification comme le DELF B2, vous devez connaître ces temps-là. On va les faire un par un, comme d'habitude, uniquement la première personne, sinon ce serait trop long. Donc, on commence bien sûr avec le présent de l'indicatif et on attaque avec... Ouh ! Mais non, regardez, je n'ai pas changé. C'est le verbe atteindre, nous sommes d'accord. Atteindre, ça n'est pas surprendre, c'est atteindre. Atteindre, première personne au présent, allez-y s'il vous plaît. Alors, je commence à faire le ménage un petit peu, excusez-moi. Donc, pour l'instant, tout ce que je vois, c'est formidable. Effectivement, le verbe atteindre, première personne,
Pour le présent, eh bien, c'est Jatin, souvenez-vous. Hein. Il n'est pas très très complexe, mais en même temps, souvenez-vous que le D disparaît totalement. Donc, Jatin, A-T-T-E-I-N-S. Et pour l'instant, c'est formidable. Souvenez-vous, le radical va changer pour nous, vous et il. Nous atteignons, et là, vous aurez le G-N. Et c'est ça la difficulté. Hein. Nous atteignons. Vous atteignez, ils atteignent. Donc faites bien attention, hein, c'est atteindre. Sundar, non. Sundar nous dit attendre. Et atteindre, on prononce de la même façon, non monsieur. Prenons une minute Sundar, relaxons-nous, concentrons-nous. Vous m'avez écrit attendre, E-N. Écoutez le son. Concentrez-vous, fermez les yeux, écoutez en attendre. En. Deuxième, le verbe que nous avons maintenant, E-I-N. E-I-N, le son, c'est exactement phonétiquement comme I-N. Un. Donc le premier, en. Le deuxième, un. Premier, attendre, Sundar. Deuxième, atteindre. On les fait plus longs, comme ça c'est plus clair. Attendre, atteindre. Et après, vous réduisez. Attendre, atteindre. C'est très, très différent, Sundar. Oui, oui, oui. Allez, on continue avec le futur simple. Le futur simple du verbe attendre, toujours première personne, s'il vous plaît. Alors, je vois, oui, hey, Sundar, pas de problème, ça me fait plaisir, hein. C'est mon travail, ne vous inquiétez pas. Futur simple, ici, c'est pas très très difficile finalement. Le concept pour obtenir le radical, la racine, c'est de retirer le E final et vous avez votre radical atteindre DR. Après, vous allez mettre la terminaison, souvenez-vous, terminaison pour je. A, I, j'atteindrai, j'atteindrai. Encore une fois, Sundar, j'atteindrai, j'attendrai. C'est différent. Ici, c'est j'atteindrai. Attention, Aziz, apostrophe, hein, J apostrophe, le E, souvenez-vous, Aziz, hein, il disparaît parce que vous avez le A qui est juste après. Donc J apostrophe et ce sera formidable. Regardez maintenant le passé composé, premier temps composé de notre liste. Allez-y, s'il vous plaît, le verbe atteindre au passé composé. Je vous attends. Alors là, effectivement, et c'est ça une des difficultés, hein, c'est une des difficultés de ce groupe-là, parce que atteindre, c'est comme peindre, c'est comme plaindre. Donc faites bien attention, le participe passé, puisque finalement, bon, on va utiliser l'auxiliaire avoir, ça, ce n'est pas exceptionnel, c'est même assez normal.
La majorité des verbes utilise avoir, donc on utilise avoir au présent comme d'habitude pour le passé composé j'ai. Mais le participe passé, c'est ça la difficulté. Et la difficulté de cette catégorie ou de ce groupe de verbes, comme atteindre, comme peindre, comme plaindre, etc., c'est que vous allez avoir le participe passé qui va être avec un T. Donc atteint, A-T-T-E-I-N-T. On ne prononce pas le T, mais il doit être écrit. Atteint. Donc vous obtenez j'ai atteint et là vous avez votre passé composé. Souvenez-vous que ce participe passé irrégulier, nous allons l'utiliser encore pour les autres temps composés. Donc souvenez-vous très clairement de ce participe passé A-T-T-E-I-N-T. Atteint. Allez, on continue avec l'imparfait. L'imparfait, s'il vous plaît, première personne pour le verbe atteindre. Merci. Alors, je regarde et je vois que Yossi, effectivement, est le premier et nous donne cette magnifique forme totalement correcte. J'atteignais, effectivement, notre radical, ce sera j'atteigne, G-N, et après, vous allez mettre vos terminaisons, c'est-à-dire j'atteignais, tu atteignais, il atteignait, nous atteignions. Alors là, c'est un petit peu sportif quand même. Vous atteignez, ils atteignaient. Yossi qui dit, pour moi, ce verbe est difficile, soit pour écrire, soit pour prononcer. Oui, et Yossi, c'est pour ça que j'ai choisi ce verbe-là. En général, c'est un petit peu comme le verbe peindre. C'est-à-dire que ce sont des verbes qui sont vraiment, vraiment spéciaux. Et même phonétiquement, comme je vous dis, c'est-à-dire que j'atteignais. Bon, ça va. Tu atteignais, il atteignait. La forme « nous », elle est quand même sportive, « nous atteignions ». C'est-à-dire qu'on doit marquer la différence entre « nous atteignions » le présent et « nous atteignions » l'imparfait. Et c'est très très difficile, c'est vraiment sur le « i » qui doit être plus long. Parce que déjà le « gne 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 », c'est le même. Donc c'est normal, Yossi, c'est vraiment normal, mais donc là, pour l'instant, tout le monde m'a donné des formes qui étaient correctes. Bravo, félicitations. Nous continuons. Deuxième temps composé de notre liste, c'est le plus que parfait, s'il vous plaît. Première personne, le verbe atteindre au plus que parfait. Allez-y. Alors Ice Cubes qui dit GN vient pour prononcer correctement avec le suffixe de l'imparfait, non. Ice Cubes, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez formuler plus clairement pour moi, c'est juste moi qui ai un problème. Je n'ai pas compris votre question. Excusez-moi, Ice Cubes. Excusez-moi. Alors, regardons ici. Maintenant, effectivement, hein, quand on va construire... Attendez, je vais appuyer sur la touche. Voilà, une petite seconde, comme d'habitude, je dois faire comme ça. Voilà. Temps composé. Donc ici, nous utilisons encore avoir. Avoir doit être à l'imparfait, ça c'est clair.
notre participe passé que nous avons découvert pour le passé composé, atteint, A-T-T-E-I-N-T, nous l'utilisons. J'avais atteint, effectivement. Donc là, pour l'instant, pas de problème. Regardons le troisième temps composé de notre liste, le futur antérieur. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Yossi qui vient en solidarité. Oui, mais j'ai pas compris la question. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ice Cubes, posez-moi votre question, je répondrai avec plaisir. Alors, regardons maintenant le futur antérieur. Regardez le futur antérieur, temps composé. Avoir, c'est clair, devra être au futur simple. J'aurai. Faites attention, Monica Nash. Faites attention, Equivanish. Faites attention, Sundar. C'est du futur simple. J'aurai AI. C'est le futur simple. Et après, on utilise encore une fois notre, eh bien tout simplement, notre participe passé. Ça arrive. Et le participe passé, encore une fois, vous l'écrivez A-T-T-E-I-N-T. Donc, j'aurai atteint. C'est la forme du futur antérieur. On continue avec, et maintenant, probablement que Yossi sera le premier, c'est le passé simple. Attention, le passé simple du verbe atteindre. Ah, d'accord, Ice Cubes. Ok, j'ai compris. Alors, vous savez, Ice Cubes, bon, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vais vous la faire très très court, d'accord? Mais le concept, c'est que pour construire un imparfait, en fait, vous allez passer par la forme « nous » au présent. Présent de l'indicatif. Le verbe « atteindre », « j'atteins », « tu atteins », « il atteint », « elle atteint ». « Nous atteignons ». Et ça... Nous atteignons, ce sera votre radical. Vous allez enlever le ONS et vous obtenez votre radical. Donc la base de finalement de l'imparfait passe par le présent et par le nous au présent. Et c'est comme ça que vous obtenez ce radical A-T-T-E-I-G-N. C'est comme ça que vous l'obtenez. Alors, regardons ensemble le passé simple. Nous sommes d'accord que vous n'utiliserez pas le passé simple. Vous devez pouvoir le décrypter. Vous devez pouvoir le, tout simplement, le voir. Donc, si vous voyez la forme « j'atteignis », eh bien voilà, vous saurez que c'est le verbe « atteindre » et que c'est le verbe « atteindre » au passé simple. Donc, on parle, eh bien, effectivement du passé. Iris qui doit faire les courses. Au revoir Iris. N'oubliez pas d'acheter des légumes et des fruits. 5 légumes et fruits chaque jour. C'est ça la règle, hein. Sinon après ça se passe mal. Conditionnel présent s'il vous plaît, on y va. Le verbe atteindre. Thank you.
Alors effectivement, donc là nous sommes d'accord que le radical, eh bien c'est le même que le radical du futur simple. La terminaison change. La terminaison c'est A-I-S. Là il n'y a pas de problème, donc je regarde vos réponses et je dis bravo, c'est magnifique, c'est vraiment formidable. Phonétiquement, j'atteindrai, donc c'est le conditionnel présent. Attention, s'il vous plaît, faites très attention, le prochain temps conditionnel passé, c'est un temps composé. Encore une fois, donc s'il vous plaît, donnez-moi la forme « je » au conditionnel passé du verbe « atteindre ». Allez-y, merci. Alors, et là, je dois dire que c'est formidable. Alors, attendez, je vais faire mon petit ménage, comme d'habitude, voilà. Je dis bravo, c'est magnifique, puisqu'effectivement, c'est « j'aurais atteint ». Alors, Kirill qui nous demande quelle différence entre « attendre » et « atteindre » à l'oreille. Kirill, j'ai répondu à cette question il y a plusieurs minutes, Kirill. Je vais répéter, mais juste pour vous, Kirill, c'est juste pour vous. Première chose, c'est la différence entre les nasales, c'est-à-dire la différence entre le en, blanc, et le un, pain. En un. Attendre, atteindre. Ici, c'est atteindre. C'est uniquement dans la nasale que vous sentirez la différence. Attendre, atteindre. Donc ici, c'était effectivement « j'aurais atteint ». Allez, on continue. Si vous voulez bien, encore une fois, avec le subjonctif présent du verbe « atteindre », s'il vous plaît, allez-y. Première personne, comme d'habitude.
Alors, Sapna nous propose la première version, mais c'est une version un petit peu perfectible. Est-ce que... Mais personne ne veut proposer, ou est-ce qu'il y a un problème de connexion? Je ne sais pas. Je ne vois pas votre subjonctif arriver. J'espère qu'il arrive. Je le tire, je le fais venir. Le subjonctif, s'il vous plaît, s'il peut arriver, je l'attends avec impatience. Alors, je vois qu'effectivement, là, les gens ne disent rien parce que les gens ne savent pas et ça n'est pas grave. Alors, regardez ici, en fait, la forme du subjonctif présent du verbe attendre, ce sera la même chose que, eh bien, le verbe peindre, par exemple, enfin, le verbe atteindre, c'est-à-dire que je peigne, que j'attends. Teigne. Alors la technique, simplement, parce que c'est la difficulté du subjonctif. Hein. La difficulté du subjonctif, c'est qu'on va passer par le présent. Encore une fois. Mais je vais faire les choses assez courtes et je vais uniquement me concentrer sur le « je ». Ici, pour avoir « je »,« tu »,« il » et « il » au pluriel... Le radical. Je vais utiliser le radical « il » au pluriel du présent. Souvenez-vous, j'avais expliqué à Ice Cubes. Pour le verbe « atteindre » au présent, « j'atteins »,« tu atteins »,« il atteint »,« nous atteignons »,« vous atteignez »,« ils atteignent ». Donc c'est le dernier qui nous intéresse, « ils atteignent ». On enlève « ent ». On va obtenir « atteigne » qui finit avec « gn ». Ça, c'est notre radical. Et après, on va mettre les terminaisons « e » pour « je »,« es » pour « tu »,« e » pour « il »,« elle »,« ent » pour « il »,« elle » au pluriel. « Que j'atteigne »,« e »,« que tu atteignes »,« es ». Qu'il atteigne, e, qu'il, elle atteigne au pluriel, e, n, t. Voilà, et c'est la difficulté effectivement d'atteindre. Alors je vois que Cosmina Bellou nous l'a donné. Bien sûr, elle est là. Yasmine qui fait oh non, c'est pas possible. Bah, c'est le subjonctif. Le subjonctif, c'est toujours un petit peu sportif. Allez, on termine. On termine. Soyez courageux. C'est la ligne droite, le sprint final. Subjonctif passé, c'est un temps composé. Participe passé que nous avons vu déjà avant. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Tenzin qui pose la question, est-ce que c'est vrai? Ben, c'est une question très générale, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire sur est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas exactement quoi vous répondre, Tenzin. Alors là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Hein. Nous savons qu'effectivement, encore une fois, c'est un temps composé. Donc, nous utilisons le verbe avoir au subjonctif présent que j'ai. Et ensuite, vous pourrez avoir votre participe passé que nous avons vu. A-T-T-E-I-N-T. Elif, est-ce que vous pouvez expliquer la fonction du subjonctif? Alors... J'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur le subjonctif. C'est-à-dire que j'ai expliqué pendant des heures le subjonctif et ça n'est pas possible de vous expliquer le subjonctif en quelques minutes. Donc sérieusement, Elif, je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai faites sur le subjonctif. Et là, vous allez comprendre et vous allez maîtriser. Le subjonctif est un mode
qui est assez particulier, assez spécial. Il faut prendre le temps de le comprendre et surtout de le construire. Et ça, c'est important. Allez, nous continuons. Youpi Yukaida avec quelque chose de différent. Et Cosmina qui nous dit effectivement, hein, donc c'est la racine du subjonctif pour la construction, c'est le présent de l'indicatif. C'est ce que je dis depuis le début. C'est-à-dire que le présent, à mon avis, est probablement le temps le plus difficile de la langue française. Et c'est un temps qui est très très important parce que vous allez l'utiliser eh bien, pour construire cet autre mode qui est un mode assez quand même spécial qui est le subjonctif. Voilà. Allez, la photo du jour, la photo du jour. Vous savez que j'aime bien trouver des photos assez originales. Celle-là, je l'ai vue aujourd'hui, je me suis dit, tiens, c'est assez intéressant. S'il vous plaît, prenez une minute pour, eh bien, me décrire cette photo. Allez-y. Alors, Maria Loves Music a lot. Je vais regarder les vidéos du subjonctif. Oui, c'est nécessaire et c'est vraiment nécessaire de prendre des notes et de procéder de façon assez, assez rationnelle. Et le subjonctif, c'est quelque chose qui va être difficile au début, mais c'est pas grave. Tout dépend de votre langue maternelle. Il y a des personnes pour qui... Eh bien, le subjonctif existe dans leur langue maternelle et donc c'est beaucoup moins difficile à comprendre. Et il y a des personnes pour qui le subjonctif n'existe absolument pas. Et là, effectivement, c'est un apprentissage qui est un petit peu plus complexe, mais ça n'est pas impossible. C'est ça qui est important, ça n'est vraiment pas impossible. Alors, regardons, Cosmina Bellou qui nous dit « J'ai vu la construction du subjonctif dans la vidéo de monsieur. » Mais oui, et c'est le présent de l'indicatif qui est la colonne vertébrale de tout. Bickert, alors d'accord, très bien, on parle du subjonctif encore. Alors attendez, je regarde, Sundar qui nous dit « Cette photo est bizarre. » C'est clair, c'est ce que Sundar pense, la photo est bizarre, ça ne se discute même pas. Hillary qui nous dit « Un homme nage dans la rue », c'est bizarre quand même, non? Georges qui nous dit « Le triathlon moderne ». Eh oui, Georges, vous avez raison. Attention, Georges, moderne, vous savez, moderne, c'est un adjectif assez intéressant parce que moderne, au masculin ou au féminin, c'est la même forme avec le « e » final, d'accord? Donc ici, le triathlon moderne, « e » final, ce sera le même adjectif si c'est masculin ou féminin. Moderne, M-O-D-E-R-N-E. Merci beaucoup. Yasmine, la natation est le sport parfait pour l'été. C'est vrai. Est-ce que c'est l'été? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Roman qui nous dit, c'est un street, c'est une rue. Qu'est-ce que vous dites? Alors, attendez, je vous ai perdu, Roman. C'est une street, mais il y a une personne qui fait du swimming, qui fait de la natation. Vouslat, il y a une inondation dans la rue et un homme nage. Oui. Cloudy Sky, il y a le soleil et il nage
dans la rue peut-être, et c'est bizarre comme préposition, dans la rue, hein, ici, Yossi, un nageur, essaie de traverser un fleuve. Oui, Maria qui nous dit, l'homme est perdu dans une place de solidarité. Peut-être. Roman, il y a une personne qui fait de la natation. Ritem, cette personne est une aventureuse qui plonge dans la rue. Oui, un aventurier peut-être. Mercurial, nager sur la route ou dans la route peut-être. C'est bizarre. Hein? Sunita, un homme nage dans la mer. Vercingétorix, il nage d'un côté de la rivière à l'autre. Oui. Tenzin, quelle est la différence? Alors attendez, Tenzin qui pose une question. Attendez, quelle est la différence entre indicatif et subjonctif? Tenzin, j'ai fait énormément de vidéos sur ce sujet. Ce sont des vidéos très précises. Il y a des heures de vidéos, Tenzin. Ça n'est pas possible de vous expliquer ça en 3 minutes. Ça n'est justement pas possible. Donc Tenzin, je vous invite à regarder les vidéos que vous pouvez trouver très très facilement. Et je les ai faites avec amour pour vous. Fiona Adams, le mirage fait nager l'homme. Victoria Possé, une route déserte, elle a besoin d'eau. Ça, c'est pas mal, Victoria Possé. Lisbeth, moi me noyant en ce moment avec le verbe atteindre. Ne vous stressez pas avec les verbes. Les verbes en indre ne sont pas faciles. C'est pour ça que je voulais qu'aujourd'hui, nous travaillions un petit peu sur atteindre. Equivanish, le jeune nage pour le chemin de la vie. Oh, ça, c'est magnifique. Le chemin de la vie. Ça, c'est vraiment très, très joli. Félicitations, je dois dire bravo. Bombville Lover, c'est intéressant. Une personne nage dans une rue. Je ne suis pas sûr ce qui se passe si une voiture apparaît. Est-ce que la voiture coule? Ou est-ce que l'homme... C'est pas clair, ce n'est pas clair du tout. Sunita, un homme nage dans une rivière. Bickert, je vois une femme qui nage sur la route et s'est motivée et concentrée. L'image raconte de la lutte contre la vie. Ça, c'est pas mal, Bickert. À votre avis, c'est la lutte contre la vie. Ça, j'aime bien l'idée. Béatrice Tan, je pense que quelqu'un a joué avec Photoshop. Probablement. Ice Cube, ce serait Photoshop bien fait, mais c'est une image d'un homme qui nage dans une rue. Et c'est un petit peu bizarre. Yessero, attention, Yessero, la voix de la raison qui nous dit « C'est un tableau qui montre que vous devez faire vos propres rues. » Ça, c'est une image intéressante, Yessero. C'est un concept qui m'intéresse, oui. On doit faire soi-même ses propres rues ou ses propres routes. Cherylyn, la personne se fatigue à commencer à percevoir qu'elle nage dans le goudron. Est-ce que c'est possible de nager dans le goudron? Ça, c'est une bonne question. Cosmina Bellou, l'image veut dire que l'excellence dans tous les domaines nécessite beaucoup d'efforts et de détermination. Probablement, effectivement. Mélissa Madrid, c'est le mélange entre une piscine et une rue. Je crois qu'il s'agit d'un mirage. Allez, merci beaucoup en tout cas. Finissez la phrase s'il vous plaît. Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de... S'il vous plaît, finissez cette phrase. Srivanas qui nous rejoint. Bonjour, bonjour. Participez au cours s'il vous plaît.
Alors, Mishmisha82 nous rejoint. Bonjour, bonsoir. Vous pouvez participer. S'il vous plaît, continuez cette phrase. Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de imaginer la suite. Mais n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Ça me ferait très, très plaisir. Merci beaucoup. Alors Elif est en première position et nous dit « Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de trouver l'ami sur Mars ?» D'accord ?« Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de la peinture ?» nous dit Cloudy Sky. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Cloudy Sky. Continuez !» Victoria Posse, « Tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée d'aller au cinéma demain ?» Eh oui, actuellement, c'est un petit peu... Comment est-ce que c'est en Espagne ? En France, on a commencé à... envisager d'ouvrir les lieux de culture. Vouslat, es-tu sûr que c'est une bonne idée d'aller aux courses, d'aller faire les courses peut-être? Ice Cubes, tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de faire de l'exercice comme Juliette Binoche? Très vite pour moi maintenant. C'était pas facile, Juliette Binoche. Mais Zaz, à mon avis, on va continuer, mais Zaz était probablement plus difficile que Juliette Binoche, mais je ne sais pas. Bombville Lover, tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de faire de la natation dans la rue? Eh bien oui, ça n'est pas raisonnable. Nous le savons maintenant. Olga Ruiz, tu sais, une... pareil. Tu es sûr que c'est une bonne idée de nager dans la rue? Ben non, c'est une très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. Ensuite, je regarde. Alors, attendez. Mélissa Madrid, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée de marcher pieds nus dans la rue? En général, non. Il y a toujours des choses dangereuses. Sundar, est-ce que c'est une bonne idée d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours? Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Béatrice Tan, de vivre plus heureux. Oui, ça, c'est une bonne idée. Yossi, d'utiliser ses couleurs. Ah, Yossi n'aime pas les couleurs qu'il a à l'écran. Yessero, tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée de quitter ta femme? Mon Dieu, que se passe-t-il, Yessero? C'est brutal ce que vous proposez, Lisbeth. Alors, je suis bien sûr que c'est une bonne idée d'apprendre la conjugaison des verbes. Ne soyez pas traumatisés avec les verbes, Lisbeth. Les Français font beaucoup d'erreurs avec les verbes et avec la conjugaison, donc... relativiser, ça c'est important. Cheryline, de rejoindre ce laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mercurial, d'apprendre le français. Ah, je ne sais pas, c'est vous qui décidez. Oui, Dad, tu es sûr que c'est une bonne idée d'aller au marché sans masque? Alors là, non, ça n'est pas une bonne idée. On doit mettre le masque et ne pas toucher les gens. Gardez vos distances. Et Quivanish, tu es sûr que c'est une bonne idée de voyager en Europe? Peut-être pas maintenant, il faut attendre un petit peu. Sapna, je suis sûr que c'est une bonne idée de faire un like maintenant. Oui, moi aussi. Mais bizarrement, on ne va pas atteindre mon objectif. Mon objectif. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Alors, ensuite, je ne sais plus où est-ce que c'était. Est-ce que c'était... Alors, Yasmine, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée de dormir plus de 8 heures? Idéalement, oui. Vercingétorix, de laisser penser au passé. De penser au passé, peut-être. Hilary Orwell, je suis vraiment sûr que c'est une bonne idée de dire merci et s'il vous plaît. Ah ben là, oui. Les deux bases de la communication, merci, s'il vous plaît, ça, et après le reste, c'est tout à fait accessoire. Caroline, d'apprendre le français. Relaxons-nous avec le français, vous êtes un petit peu stressé, j'ai l'impression.
Alors, je ne pourrais pas objectivement vous laisser partir sans faire la dictée du jour. Ça fait quelque temps que nous ne l'avons pas faite. Alors, j'avais lancé quand même quelques dictées auxquelles vous avez probablement participé, je ne sais pas. Mais nous allons faire la dictée du jour ensemble. Et donc, comme d'habitude, on va reprendre le format classique, le format habituel. Donc, nous aurons plusieurs phrases. Et la première, la voici. Alors, attendez. Je dois me préparer. Voilà. Allez, on y va. Je vais lire la phrase deux fois et vous écrivez la phrase, s'il vous plaît. Je n'y pense vraiment plus. Je n'y pense vraiment plus. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors effectivement, j'avais envie de vous faire travailler un petit peu sur les pronoms. Donc là, les phrases que je vais vous proposer sont des phrases principalement avec des pronoms. Là, le premier pronom, c'est le pronom Y. On a travaillé sur le pronom Y il y a quelque temps. Donc bien sûr, le pronom Y doit se trouver avant notre verbe. Le verbe, c'est penser. Donc ici, votre pronom se trouve avant pensée. La négation ne va pas être entre les deux. Donc, sujet, je, première partie de la négation, ne. Bien sûr, vous mettez l'apostrophe. Pronom, verbe, tous les deux ensemble. Adverbe, vraiment. Et vous finalisez avec plus. Je n'y pense vraiment plus, d'accord. Equivanish, merci. Oh, vous me faites un cadeau, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Je n'y pense vraiment plus. Elif qui nous dit à mon ex petit ami. Ah mais si, il faut toujours y penser avec une petite tristesse probablement, je ne sais pas. Allez, on regarde numéro 2. Numéro 2, alors attention, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va faire plutôt des pronoms. Attention, deux lectures. Elle n'en aurait sûrement pas parlé. Elle n'en aurait sûrement pas parlé. Allez-y, écrivez la phrase. Et alors là, je dois dire que Béatrice Tan était en première position, Cosmina Bellou, deuxième position, Ice Cubes, troisième position, la même erreur. Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Regardez. Ici, c'est le verbe parler. Mais le verbe parler, il est au conditionnel passé. Il est au conditionnel passé. Et donc, comme il est au conditionnel passé, regardez, vous avez bien sûr votre auxiliaire
avoir qui est au conditionnel présent, aurait, A-I-T. Et parler, ça n'est pas l'infinitif, mais c'est véritablement le participe passé. Bien sûr, j'ai fait ça pour essayer de voir et de tester les limites, parce que j'ai bien sûr mis entre les deux, eh bien, un adverbe. Et souvent, quand on met un adverbe entre les deux, les personnes oublient que c'est effectivement un temps composé. Non, 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 c'est toujours un temps composé, même si on met un adverbe entre les deux. Ça veut dire qu'ici, elle aurait parlé. C'est notre forme de base, c'est-à-dire que c'est notre conditionnel passé. Après ça, j'ai mis un pronom pour essayer de vous perturber. J'ai mis une négation et j'ai mis un adverbe au milieu. Elle n'en aurait pas parlé. C'est effectivement du conditionnel passé. Faites bien attention. Excusez-moi. Mais bon, si je fais uniquement des choses qui sont faciles, ça n'est pas intéressant. Allez, on attaque avec le troisième. Troisième, alors attendez. Je vais regarder pour que ce soit clair. Oui, là, ça devrait aller. Attention, deux lectures. Nous n'y avions jamais pensé. Nous n'y avions jamais pensé. Alors, Sapna qui dit « ça me stresse ». Non, il ne faut pas être stressé. Et ça, c'est important. Il faut que l'apprentissage d'une langue reste un plaisir. Ne vous stressez pas avec ça. Ce n'est pas grave. Vous allez faire des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage d'une langue. Alors là, je dis bravo, hein, bravo, on sent qu'il y a des personnes qui ont appris quelque chose. Oui, vous avez remarqué qu'ici, c'était un petit peu le même concept. C'est-à-dire que je vous ai mis un temps composé et c'est le plus que parfait avion pensé. J'ai mis un adverbe entre les deux pour essayer de vous perturber un petit peu, mais je dois dire que félicitations, attention, équivanicht. Penser, c'est le participe passé parce qu'ici, c'est le plus que parfait. Nous n'y avions jamais pensé. D'accord ? Faites bien attention à ça parce qu'effectivement, quand on met l'adverbe, et c'est souvent le problème, hein, quand on met l'adverbe dans les temps composés, eh bien l'adverbe il est entre l'auxiliaire et le participe passé, donc très facilement pour les verbes du premier groupe, parce que phonétiquement c'est la même chose, on marque l'infinitif alors que on devrait marquer le participe passé. Nous n'y avions jamais pensé, c'est le participe passé avec un magnifique accent aigu. Allez, youpi youpi, c'est oups comme ça, quatrième. Allez, quatrième chose, une petite seconde, je regarde et je vais vous lire comme d'habitude deux fois. J'espère que vous êtes prêts. Je ne suis pas certain qu'elle le lui ait dit. Je ne suis pas certain qu'elle le lui ait dit. Allez-y, écrivez la phrase. Alors, Maria Loves Musicologue, est-ce qu'on peut dire « nous n'y avions pensé » Donnez-moi le contexte. Non, normalement non, mais ça dépend du contexte, Maria Loves Music. Ça dépend du contexte et ça dépend de la situation, mais normalement, non. C'est
assez simple. Hein. Alors je regarde et c'est Elif qui est en première position. Je ne suis pas certaine qu'elle le lui. Ouh, il manque des choses. Il manque des choses. Alors regardez, je regarde. Ah, vous allez me détester. Vous allez me détester, mais je fais mon travail. Je fais mon travail ici, regardez. Je ne suis pas certain. Bon, ça, c'est pas très très complexe finalement, puisque c'est une forme assez basique avec le présent. Je ne suis, c'est le verbe être, pas certain. Ça, c'est clair. Que, et là, c'est le problème. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser la structure « je ne suis pas certain que », juste après, ce sera automatiquement du subjonctif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire subjonctif présent, d'accord? Ou, pourquoi pas, subjonctif passé. Et moi, je me suis dit que, ben non, c'est du subjonctif passé. Je ne suis pas certain qu'elle, le, lui, bien sûr, je voulais mettre deux pronoms pour compliquer les choses. Le, lui, souvenez-vous, complément d'objet direct, complément d'objet indirect, est dit. Est dit, c'est le verbe dire au subjonctif passé. Subjonctif passé, on a vu ça il y a quelques minutes. L'auxiliaire avoir au subjonctif présent, A-I-T. Et ensuite le participe passé, D-I-T. Je ne suis pas sûr qu'elle le lui ait dit. Voilà. Alors je ne sais pas. Alors attendez, I never see your message in my window. I didn't block anything, Yossi. I don't block. I only block people who are rude and it happens less and less, which is extremely, extremely nice. But normally I don't block anything. I didn't touch it. So I'm sorry. Ice Cube, tu cherchais le subjonctif, n'est-ce pas? Mais bien sûr, bien sûr. Et là, c'était le subjonctif passé. Voilà. Ne me détestez pas. Je fais mon travail. Ça fait partie des choses importantes. Vous devez. Alors, attendez. Où est le... Dans la traduction en anglais, I'm not sure if she told him. Oui? Mais, c'est ça, Ice Cube, c'est que le... Je pense que si vous faites une traduction en italien ou en espagnol, là, vous allez trouver le subjonctif et vous allez comprendre beaucoup plus facilement. En anglais, le subjonctif est une forme qui est totalement différente finalement. Il existe en anglais, mais très facilement vous ne le reconnaissez pas. Dans certaines langues, qui sont des langues romanes, on l'identifie beaucoup plus facilement. Donc prenez le temps, Ice Cubes, de traduire cette phrase-là en italien ou en espagnol, et vous allez voir, et je pense que ce sera beaucoup plus clair dans votre esprit. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Merci beaucoup et au revoir. Écoutez la chanson de ma fille qui s'appelle Yasmine. Yksin parvekkeen kaiteella alla maailma, jonne et tahdo palata. Suurin ongelma on, ettei ole ongelmaa. Tarpeeksi soha, joka allen sinut musertaa. Sen reunan ja asetut roikkumaan niin, et aina.
Et paino mi tate rapita, ompita kiinni.